Il nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui une rencontre avec Bernardo Bertolucci. Ce cinéaste italien de réputation internationale séjournait en effet au Québec au mois de juin dernier. Bertolucci s'est fait connaître des cinéphiles et du grand public en général avec des films tels que Le Conformiste, principalement interprété par Jean-Louis Trintignant Dernier Tango à Paris Film Scandale où l'on retrouvait Marlon Brando et Maria Schneider et bien sûr, 1900. Un film épique d'une durée de plus de cinq heures. En l'espace de quelques longs métrages, donc, Bernardo Bertolucci est devenu un cinéaste de première importance qui ne laisse personne indifférent. C'est à l'Office national du film que nous l'avons rencontré et que nous avons discuté avec lui de sa carrière, ses films, ses méthodes de travail et bien sûr, sa conception du cinéma. Bernardo Bertolucci, si on vous demandait tout d'abord l'importance que vous accordez à un scénario dans un film. Il y a des cinéastes pour qui le scénario est la chose capitale. Est-ce que c'est votre opinion euh, D'abord, il faut dire que j'écris toujours moi-même mes scénarios parce que du moment que j'ai eu une éducation littéraire, j'ai commencé comme poète. Mon père est un poète très connu en Italie. J'essaie de euh, brûler tout ce qui est la lourdeur littéraire qui pourrait être dans le film, j'essaie de la brûler dans le scénario. C'est-à-dire, j'ai peur que, que mes films soient littéraires. Donc, en écrivant moi-même les scénarios, euh, je passe cette expérience littéraire de l'écriture littéraire. Et puis, le scénario est fait et le film sera moins littéraire de ce qu'il pourrait être. Euh, en même temps, je dois dire que, justement, parce que c'est moi qui les écris, je me sens très libre vis-à-vis -vis de, de mes scénarios. Je me sens tellement libre que souvent, je ne les ouvre même pas pendant le tournage. Et ça, pour dire euh, que je suis beaucoup plus euh, intéressé par l'improvisation que par euh, faire avec un film. L'illustration audiovisuelle d'un scénario. D'un texte. D'un texte littéraire. Euh, si vous faites de l'improvisation, est-ce qu'il y a des films que vous avez faits jusqu'ici où l'improvisation a pris plus de place que dans d'autres films? Euh, C'est un peu difficile. Euh... C'est un peu difficile de dire si Marlon Brando, en dernier tango à Paris, improvisait plus que. Jill Kleibor dans La luna plus que Jean-Louis Trentignan dans Le conformiste euh, plus que Bob De Niro dans 1900 c'est une, une attitude dans laquelle euh, j'essaye de traîner mes comédiens parce qu'ils euh, puissent se sentir libres euh, en face de la caméra donc aller au-delà de personnages écrits c'est-à-dire je suis prêt au lieu de changer euh, euh, la vérité euh, d'un acteur qui est en face de ma caméra et qui me semble la chose plus poétique, c'est-à-dire c'est la chose que la caméra filme. La caméra filme qui celui qui est en face de la caméra. Alors au lieu de cacher cette vérité avec une autre vérité qui est la vérité du personnage écrit inventé par quelqu'un d'autre, euh, je préfère je donne plus d'importance... Euh, à la vérité des comédiens. Euh, C'est-à-dire que si un comédien vient avec une étrange mood euh, le matin sur le plateau parce qu'il s'est bagarré toute la nuit avec sa femme, ou une actrice vient euh, pâle parce qu'elle a fait l'amour toute la nuit, euh, alors euh, je veux euh, euh, prendre, partie, euh, prendre le parti de, de, de cette émotion, de ces moods. Vous en servir. Et je veux les, les exploiter carrément, les exploiter. Parce que je crois que le cinéma euh, euh, de fiction que je fais est en grande partie documentarisme. Comme je crois que le grand documentarisme est euh, en grande partie fiction, souvent. Vous venez nous affirmer que votre cinéma de fiction a un aspect documentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette affirmation-là Au fond, de faire jouer un comédien... C'est toujours comme de lui faire un entretien. C'est toujours comme essayer de découvrir ce mystère, ce secret, ces choses cachées qui m'ont amené à le choisir. Quand je choisis un comédien, il se passe euh, d'une façon très, très rapide. Comment ça se passe euh, Ah, je le vois, euh, ça dure euh, 30 secondes. Ou se passe quelque chose ou ne se passe pas. Si se passe quelque chose, ça veut dire qu'il m'a fasciné. Ça veut dire qu'il y, qu y a un secret que j'ai envie de découvrir. Donc, c'est justement en suivant cette intuition que je construis tout le travail sur le personnage que ce comédien va interpréter. Donc, si je reviens à ma question première, initiale, pour vous, le scénario, d'une certaine façon est beaucoup moins important que les interprètes avec qui vous travaillez. Oui, oui, oui. Le scénario d'un film, en réalité, est la vie en face de la caméra. Le vrai scénario d'un film est la vie, les les acteurs, les gens en face de la caméra. Donc le texte écrit est un prétexte. Le texte, euh, il faudrait l'appeler prétexte. <laughs> un vrai prétexte dans le sens vrai la, du mot. Euh, souvent, un scénario, c'est une excu, excuse pour euh, euh, ou bien euh, faire un assemblage d'idées sur un argument qu'on veut traiter, ou sur une idée, ou bien de, une excuse pour trouver de l'argent. D'ailleurs, je crois, metteur en scène, c'est aussi un homme qui arrive à trouver de l'argent pour dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire dans le cinéma, il y a ce côté euh, euh, économique qui est très important aussi. Puisqu'on parle des comédiens, Comment est-ce que les choses se sont passées avec Jean-Louis Trintignant dans Le Conformiste Bon, c'était la première fois que je travaillais avec lui. Euh, je l'avais vu dans, dans des films, euh, je l'aimais beaucoup. J'aimais, j'ai trouvé qu'il avait la stature physique idéale pour le personnage du conformiste. Euh, il était pas trop grand, pas trop bas, pas trop haut, pas trop bas. Euh, donc j'ai essayé de ne pas trop communiquer avec lui avant le tournage du film. C'est-à-dire, et ça c'est quelque chose qui se passe toujours, j'essaye de ne pas rencontrer beaucoup les acteurs avant le tournage. Je veux que ce phénomène euh, euh, de découverte reste pour le moment. Du tournage. Puisque c'est ça qui est important pour Puisque vous. Puisque c'est ça qui, 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 qui devient la chair du film. Il y a toutes sortes de rumeurs qui ont circulé quant à la façon avec laquelle le tournage de Dernier Tango à Paris s'est déroulé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la relation que vous avez eue avec Brando pendant ce tournage-là? Euh, ça fait longtemps que ce film a été fait. C'était tourné en 72. Ça fait huit ans. Quand même, je rappelle que Marlon était très fasciné par, la façon, euh, par ma façon de tourner. C'est-à-dire, c'était la première fois pour lui euh, d'inventer, euh, créer, matérialiser un personnage sans suivre la leçon euh, Actor Studio, la leçon euh, américaine, à New York, à Strasbourg, qui a été toujours euh, euh, sa formation, sa formation et sa force aussi. Donc il était très fasciné de se laisser aller. Se ce, ce, ce laisser aller qui, qui était exactement le contraire euh, de, de la façon d'Actor Studio. Avec lui aussi c'était... Souvent c'était vraiment comme, euh, un peu comme lui faire euh, euh, des entretiens. Et souvent, souvent je discutais avec lui, pas seulement les dialogues, mais aussi euh, les situations, le comportement de son personnage. Euh, il était aussi très fasciné par le pari qui représentait un peu l'histoire du film. Qu'est-ce que c'était au fond, euh, 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 Dernier Tango C'était la tentative de la part d'un homme et d'une femme euh, de trouver une communication amoureuse en dehors de leur identité, identité sociale c'est pour ça que marlon, au début du film, dit à maria, ne, ne me dis pas ton nom, je ne dirai pas ton nom, ne, ne me dis pas qui tu es, qu'est-ce qu que tu fais, qu'est-ce que tu es, en dehors de cette maison, en dehors de cet appartement. je dis c'était un sort de paris, c'est-à-dire... et brando a aimé le paris. Et brando a, 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 a beaucoup rentré dans ce paris parce que... Euh, c'était un pari qu'on qu ne on savait, on savait pas comment est-ce que ça, ça, ça allait euh, se, 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 se terminer. C'était comme vérifier euh, une, hypothèse. Une, une hypothèse, oui, un peu. Dans euh, La Luna, votre dernier film, vous avez encore une fois employé un comédien euh, étranger, c'est-à-dire euh, qui n'est pas italien. Et on peut se poser la question dans quelle mesure et pourquoi vous employez souvent des, des comédiens, euh, soit français, soit américain, pour jouer les rôles de premier plan dans vos films euh, Toutes les fois, il y a des raisons euh, spécifiques. Euh, dans la Luna, euh, je voulais, qui est l'histoire de la grande aventure euh, entre une mère et son fils, euh, je voulais avoir euh, le fils, dans une situation de déracinement, donc je voulais euh, avoir quelqu'un qui venait euh, d'un pays, euh, qui partait d'un pays pour venir dans un autre pays. Donc, du moment que je voulais tourner le film à Rome, j'aurais dû prendre deux étrangers. Euh, bon, euh, le film était produit, distribué par une maison américaine, alors j'ai dit on va faire le film en anglais. Les deux étrangers seront une cantatrice d'opéra américaine et son fils américain qui se trouvera à Rome complètement perdu dans une réalité qu'il ne connaît, qu connaît pas. C'est pour ça que, la, que Rome, dans la Lune, est, est une ville un peu exotique, est une ville où on voit des pyramides, où on voit des palmiers, c'est un peu comme une colonie euh, aux extrêmes frontières de, de, de l'Empire, c'est un peu comme, comme une ville du Moyen-Orient. Et avec Jill Burke, ça s'est passé de la même façon qu'avec Brando ou Trintignant. Oui, évidemment, 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 euh, c'était, c'était, euh, c'était différent parce que euh, tous les gens, tous les comédiens sont différents et Jill et est très différent et de Marlon et de Jean-Louis. Mais, mais je crois que une actrice comme elle, après le succès de, 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 de son film *A euh, Married Woman*. Euh, c'est-à-dire qui venait d'un grand succès comme ça, je crois qu'elle a eu un grand courage à accepter d'interpréter, de, de jouer un rôle si délicat, si un peu ingrat, qui dans certains moments pouvait amener presque euh, le public à une sorte de refus. Euh, et je trouve que ce courage de Jill Claibor, actrice qui accepte de jouer ce rôle, je l'ai transformé dans le courage de Catherine soprano d'opéra, qui euh, affronte la, 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 ce problème du fi, de, de son fils euh, qui est à la recherche de quelque chose qu'il sait pas lui qu'est-ce que c'est, euh, drogué d'héroïne, euh, jusqu'à jusqu la limite euh, de l'inceste. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est toujours d'employer des choses vraies pour les déguiser en fiction. Dans beaucoup de vos films, pour ne pas dire dans tous vos films, le personnage principal a en lui une certaine révolte. Est-ce qu'on peut dire pour autant que l'auteur de ces films, Bernardo Bertolucci, est lui-même un révolté euh, Un vieux révolté, peut-être. <laughs> euh, oui, c est, c est -à -dire, euh, euh, je ne sais pas. C'est-à-dire, je crois que le, 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 le cinéma, c'est ma façon de réfléchir sur la vie, d'intervenir sur la vie, même si je crois qu'un film ne peut pas changer la vie. Je crois qu'un film, ça fait partie euh, dans un mouvement culturel plus large, plus vaste, euh, euh, et que ça n'est qu'un moment d'un mouvement plus vaste. Donc je trouve qu'un intellectuel, même si un intellectuel en révolte, euh, ne doit pas croire que sa révolte est la révolte, euh, représente la révolte du monde. Elle doit euh, prendre conscience que sa propre révolte fait partie d'une révolte plus générale qui, souvent, s'organise politiquement, etc. On parle cinéma et ce serait peut-être intéressant de savoir ce que vous pensez de la situation actuelle du cinéma dans le monde. Je pense que vous avez une opinion là-dessus. Quel, quel tableau est-ce qu'on pourrait tracer euh, ou brosser rapidement là, de cette situation euh, Ça dépend, comme partout, du, du point de vue où on regarde le cinéma. Euh, quand je suis en Italie, je me dis, mon Dieu, le cinéma aujourd'hui, ça n'est que... ou bien de films commerciaux euh, italiens moyens ou euh, des films hollywoodiens euh, qui, qui, qui remplissent les salles tous les jours euh, d'une façon, une façon euh, fatiguée et fatigante, et qui ne donnent aucune surprise. Quand je vais euh, en France, je me rends compte, où il y a un circuit alternatif, je me rends compte qu'il y a un cinéma jeune, qu'il y a des jeunes cinéastes, qu'il y a euh, un, un, un travail nouveau qui se fait dans le cinéma. Quand je vais à, à Hollywood, je rencontre euh, euh, des copains euh, qui sont des, des, des jeunes cinéastes qui ont des difficultés terribles pour faire leurs films, d'un côté. De l'autre côté, à Hollywood, en ce moment, il y a une excite, euh, excitation incroyable sur euh, l'argent. Le public n'a jamais été au cinéma comme en ce moment. Euh, tout le monde va au cinéma. Grande excitation. Tout bouge. L'argent bouge. Mais où sont les bons films? Il y en a très peu de bons films. Euh, donc, euh, donc ça dépend vraiment de, de, de quel côté on regarde la question. Je, ce que je crois très important, c'est qu'il faut que les grandes compagnies, il faut que le grand capital du cinéma se rende compte qu'il doit laisser un espace au cinéma nouveau, au cinéma qui s'interroge, au cinéma qui réfléchit. Parce que le cinéma, pour vivre, doit se nourrir de cinéma. Parce que le cinéma, pour, euh, pour euh, continuer dans son procès d'évolution, doit bouffer des films. Euh, si je ne vois pas des films et des films nouveaux, qui soient faits par un jeune cinéaste de 23 ans ou par Louis Bonuel qui a 80 ans, euh, si je ne vois pas des films nouveaux, j'ai plus envie de faire de films. C'est-à-dire, euh, euh, je crois qu'il y a un métabolisme... Euh, du cinéma euh, qui, qui risque euh, de, 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 de s'étouffer, de finir, s'il n'y a pas l'espace pour des films qui sont différents de ceux que la grande masse du public euh, croit vouloir. Puisqu'on parle de votre travail, est-ce que vous pouvez nous donner certains indices quant à vos projets immédiats Est-ce que vous travaillez actuellement sur un nouveau film, un nouveau scénario Oui. Là, là je vais faire un film... Euh, que je suis en train d'écrire c'est une idée que je viens d'avoir euh, il y a un mois euh, j'ai interrompu pour euh, venir au Canada l'écriture du scénario euh, dans laquelle j'étais plongé vraiment comme un fou c'est un film qui s'appelle La tragédie d'un homme ridicule un film intimiste qui est un film italien qui se passe en Italie parlé en italien avec des acteurs italiens euh, sur le présent de l'Italie, sur l'Italie aujourd'hui, à travers des personnages. Oui, c'est une histoire euh, privée, mais ces personnages sont plutôt emblématiques de la réalité italienne d'aujourd'hui. Pas dans un sens euh, euh, emblématique, euh, réalisme socialiste, pas du tout. Euh, c'est un peu comme euh, une harmonie entre... Euh, disons, trouver une harmonie entre l'intimisme et, et l'engagement politique. Si on regarde vos derniers films, il semble y avoir une oscillation entre des films intimistes, comme La Luna, comme Dernier Tango à Paris, et par ailleurs des films plus vastes à caractère historique, genre 1900 ou Le Conformiste. Si je compare votre premier film, à votre dernier, les coûts sont très différents. Est-ce que vous avez l'impression que votre contrôle en tant que réalisateur-auteur est dilué? Non. Euh, je pense peut-être le contraire. C'est-à-dire, il se veut que mes premiers films qui coûtaient moins avaient un producteur qui. J'ai eu de la chance, je dois dire, mais qui pouvait, qui aurait pu me faire des pressions. Tandis que depuis la Lune, et pour mon prochain film aussi, moi je serai producteur de moi-même. C'est-à-dire, euh, en général, entre les distributions et le metteur en scène, il y a la figure du producteur. Moi j'essaie de sauter cette figure, d'être moi-même producteur de mes films. Euh, comme ça, je serai... Euh, un peu, euh, je serais encore plus libre de, de quelque façon. Est-ce que vous, vous cherchez justement à avoir un contrôle de plus en plus grand sur vos films On connaît oui. les mauvaises expériences avec 1900 sur la distribution, tout ça. Mais oui, je... mais la mauvaise expérience de 1900, il faut faire attention. Ça a été euh, pour ceux qui regardent les États-Unis. Euh, parce qu'en euh, Europe, 1900 a été un succès très, très grand. Euh, pour vous donner une idée, 1900 en Italie, c'est le film qui a eu le plus d'entrées de toute l'histoire du cinéma italien c'est à dire c'est le plus grand succès jamais fait par un film en italie euh, non ce qui est c'est ce sujet dont vous parlez cet argument là c'est plutôt euh, ça regarde pas tellement à moi mon cas personnel qui est un cas un peu euh, Exceptionnel, disons. C'est facile pour vous maintenant. C'est facile pour moi, oui. C'est ce qui regarde les, les, les nouveaux metteurs en scène. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, le, le cinéma euh, est destiné à, à, à finir si on ne trouve pas un espace pour un circuit alternatif, donc un espace pour des expériences nouveaux, pour des expérimentations Nouvelles. Vous venez de parler de certains films que vous voyez euh, en Europe, ici parfois en Amérique. Est-ce que vous êtes un cinéaste qui voyait beaucoup de films? Euh, J'essaie de voir beaucoup de films. En Italie, c'est pas très facile. Je dois, parce qu'en Italie, les films ne passent pas en version originelle, et j'en ai marre de voir des films doublés pour euh, pour connaître la voix de Marlon Brando, j'ai dû faire un film avec Marlon Brando, en étant italien. Euh, alors, euh, bon, moi j'ai la chance, je, je voyage, donc je vais à Paris, je vais à Londres, je vais à New York, je voyage, je vois tout ce que. J'essaie de voir le plus maximum de ce qu'on se fait en ce moment. C'est-à-dire, euh, je sais qu'il y a des metteurs en scène qui sont ennuyés par le film, qui ne vont pas voir le film. Moi, je suis le contraire, je, con, je continue à être euh, euh, fou du cinéma et. Et, et, et je, comme je vous disais tout à l'heure, si je ne vois pas de bons films, je n'ai pas envie de faire des films. Est-ce que ces films vous influencent, en plus de vous donner le goût de, de continuer à faire du cinéma, est-ce que ce, ces films que vous voyez vous influencent au niveau construction, thème, sujet, comédien? Oui, euh, sûrement. C'est-à-dire, euh, à un certain point, je, je confonds les films et la vie. Je ne sais plus si je suis influencé par les films que j'ai vus. Ou par, la, ou par des, des réalités que j'ai vues, mais les des choses se mélangent. Et, et, et bon, et, et là, c'est bien parce que je crois que le cinéma, c'est le langage de la, de, la, de la vie. Dans ces films que vous voyez, il y en a certains que vous appréciez sans doute. Est-ce que vous pouvez nous nommer un certain nombre de cinéastes que vous appréciez plus particulièrement Vos idoles sur le plan du cinéma Oh, il y en a beaucoup. Hein. C'est une liste comme euh, celle de Leporello euh, dans Don Giovanni de Mozart. Aussi long que ça. Aussi long que ça. 100 en France, en Turquie, 91, mais en Espagne, ce sont déjà 1000 Je veux dire, euh, je, peux partir de je peux partir de Renoir, aller à Misoguchi, euh, revenir sur North Sound -Wells, puis descendre euh, sur euh, Rossellini, remonter sur John Ford, euh, euh, traverser... Euh, un, 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 un mouvement de Dolly de Vincent Minnelli et, et, et continuer sur Hitchcock. Et, Mais tous et puis ces gens-là, gens ce, ce sont des classiques, des vieux. Et puis il y a continue... des jeunes que vous et aimez. Et puis, ah oui, ah, oui, ah oui, il y a, a quelqu'un à part, évidemment, Saint Jean-Luc Godard euh, qui vient de, refaire, de ressusciter comme un vrai saint et de faire un film. Euh, qui a l'air extraordinaire, qui est passé à Caen que je n'ai pas vu. Euh, euh, je pense euh, à un metteur en scène, par exemple, un metteur en scène grec qui s'appelle Theo Angelopoulos, euh, qui a fait ce film appelé Otiassos, euh, le voyage des comédiens, euh, qui, qui, qui c'est un, une expérience de cinéma que j'ai trouvée extraordinaire. Voilà, par exemple, euh, un cinéaste qui vient d'un pays comme la Grèce, d'un pays qui fait un film qui commence sous la dictature et qui se termine euh, en état de liberté. Et donc c'est un film où on sent euh, une certaine censure dans la première partie et puis une ouverture dans toute la dernière partie. Est-ce qu'il y a de jeunes cinéastes américains que vous aimez euh, Oui, euh, Jimmy McBride. Mais, mais oui, il y en a, mais ils ne font pas de films. C'est des cinéastes... Qui me racontent des films, qui me disent des films, qui me font lire leurs scénarios, mais qui n'arrivent pas à, à, à trouver, à trouver, à trouver l'argent pour faire les films, comme, comme je disais, Jim Hagbyide. Oh, J'aime euh, beaucoup Marty Scorsese, je dois dire. Euh, je trouve que Scorsese a réussi à faire un, une sorte de. Euh, comme de tirer un fil entre l'Europe et Hollywood, faire une sorte. Euh, mais moi c'est comme de moi je pars euh, de l'Italie je vais je vais vers l'Amérique lui parle l'Amérique, il va vers l'Italie même s'il est italien Ita Italian American c'est comme si on s'était rencontré euh, en vol mais, et il y en a d'autres c'est-à-dire euh, il y a Terry Melick que j'aime bien ah euh, euh, il y a un jeune qui s'appelle Jonathan Demi euh, qui a fait Citizen Band qui est, Quelqu'un qui montre une réalité américaine comme on ne la voyait plus au cinéma depuis les années 30, c'est-à-dire la réalité mineure de la province, des gens pauvres. Est-ce qu'en fait on peut dire que le cinéma qui vous intéresse, c'est celui qui propose un nouveau regard sur la réalité? Vous mentionnez des jeunes cinéastes qui font ça. Oui, un nouveau regard, euh, une nouvelle dramaturgie, euh, euh, un nouveau bonheur. Euh. Une nouvelle langue, une nouvelle caméra, tout en sachant que rien n'est nouveau. Merdano Bertolucci, merci beaucoup.